tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor, mais c'est parce que j'ai pas trop d'espace là-bas devant ma bibliothèque et du coup je voulais prendre un petit peu plus d'espace et voir ce que je préfère. Donc c'est totalement un crash test, on verra ce que ça donnera. Du coup, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un duo incontournable à mes yeux. Il s'agit d'Hélène Delforge et de Quentin Gréban. Il faut que j'arrive à attraper le deuxième album. Hélène Delforge est l'autrice et Quentin Gréban est l'illustrateur. Donc ils ont publié ensemble ces deux albums. Maman est sortie en 2018 et Amoureux en janvier 2020, si je ne fais pas d'erreur. Et donc ils sont tous les deux publiés aux éditions Mijane. Et on va commencer avec l'album Maman. Maman, c'est vraiment un album qui raconte l'amour d'une mère envers son enfant, et ce à travers différentes époques et aussi différentes cultures. Donc c'est vraiment très riche, l'amour qu'on dit inconditionnel, absolument plus fort que tout. On le ressent vraiment ici. On sent vraiment la tendresse que les mères peuvent adresser à leurs enfants. Et puis les mots choisis par Hélène Delforge sont si doux, sont si touchants. On passe vraiment du rire aux larmes, mais en une fraction de seconde. Et d'ailleurs, parfois, j'ai même ri et pleuré en même temps. Donc finalement, c'est vraiment pour vous dire. Maintenant, on va parler des illustrations qui sont absolument fascinantes. Je pense sincèrement que je pourrais passer des heures à les regarder parce que... Bah parce que tout simplement, je pense que ça se voit que c'est extrêmement beau, c'est fait avec une finesse et une délicatesse, mais sans nom. Et Quentin Gréban réussit à faire passer des émotions et des intentions, enfin je veux dire, dans le regard des mères, c'est fou tout ce qu'il réussit à nous faire passer. Et on reçoit ça, mais d'un coup, entre les textes et les illustrations, les émotions sont vraiment là, tout constamment, enfin, on ne s'ennuie absolument pas. Et je pense pas qu'on puisse être déçu de cet album et de ces albums plus généralement. D'ailleurs, maintenant, on va passer à Amoureux. Amoureux parle, sans trop de surprise, d'amour. Et je le trouve tout aussi réussi. Cette lecture, je ne l'ai pas du tout vécue de la même manière parce que pour Maman, j'ai vraiment l'impression que j'étais constamment à ressentir de l'émotion ici aussi, mais c'était moins régulier, mais quand ça l'était presque encore plus fort en fait, et c'est très étrange, mais c'est tout aussi passionnant et tout aussi réussi. Vraiment, les illustrations, les textes sont toujours aussi parlants. Dans Amoureux, on retrouve la douceur des illustrations, du texte, on retrouve l'authenticité, on retrouve le réalisme. Et c'est juste fabuleux, c'est un pur bonheur, vraiment. Vous l'aurez compris, je vous conseille vraiment chaudement ces deux albums qui sont absolument magnifiques et bouleversants. Je suis très heureuse personnellement de les avoir dans ma bibliothèque parce que c'est le genre d'ouvrage vers lequel on retourne régulièrement. C'est des lectures réconfortantes en fait, et je trouve que ça fait juste du bien d'avoir ça dans sa bibliothèque, ou même de l'emprunter à la bibliothèque, à la médiathèque, où vous voulez. Mais je pense vraiment qu'il faut les lire et que ce duo est incroyable. Je ne vais pas vous laisser sans vous montrer quelques images de ces illustrations et de ces textes, parce que ce serait manquer à mon devoir de partager ces albums. Donc je vous laisse avec ces quelques images. Thank you.
aura plu et que vous serez tenté par ces deux albums et ce duo qu'il ne faut pas manquer, je le répète. Je sais que je me répète, mais il ne faut pas le manquer. Il faut le savoir, il faut le dire. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh ben, je vous invite à vous abonner ou à laisser un petit commentaire. Parce que ça fait toujours plaisir et puis comme ça je pourrai voir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse moins. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous.